Yo, salut à tous, c'est Seb, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je fais les vidéos debout comme ça à l'ancienne. Et aujourd'hui je devais vous faire un bilan après un mois chez Bouygues Telecom, le voici. Alors ça fait un peu plus d'un mois que je suis chez Bouygues Telecom, je me suis inscrit courant août, à peu près vers le 20 août, hein, quelque chose comme ça. Nous sommes le 20... Attendez, je vais voir quelle date on est. Nous sommes le... Je vais vous dire ça tout de suite, ne bougez pas messieurs dames. Nous sommes le samedi 29 septembre, donc on est fin septembre, ça fait un peu plus d'un mois que je suis chez Bouygues Telecom. Je vais être franc avec vous, je vais vraiment vous prouver que je suis pas sponsorisé par personne. Je vais dire des conneries, je le sais, mais je vais vraiment être franc. Bouygues Telecom, pour moi, hein, quand t'habites à la campagne, c'est pas du tout la bonne idée. Je t'explique pourquoi. En fait, Bouygues Telecom, ils ont développé leur réseau 4G, ils ont un beau réseau 4G, mais dans les villes. C'est-à-dire qu'ils couvrent beaucoup de monde. Mais c'est des gens qui habitent en ville. Donc quand t'es à la campagne comme moi, là par exemple actuellement, je suis dans ma chambre en hauteur, pourtant j'ai zéro barre de réseau. J'ai pas de réseau chez Bouygues Telecom. 3G, 4G, 2G, Edge, ça ne marche pas, j'ai pas de signal. Donc j'ai été déçu au début quand je me suis abonné, c'est pour ça, vous l'aviez vu, j'ai fait une descente en direct chez Bouygues Telecom et ils m'ont pris pour un con en me disant que j'étais pas client chez eux. Pourtant, sur la carte SIM, c'est marqué Bouygues Telecom. J'ai tendance à croire qu'ils séparent les clients BNU et Bouygues Telecom, alors que BNU est une offre Bouygues Telecom. J'ai du mal à comprendre. Donc du coup, je m'étais foutu en colère avec le conseiller Bouygues Telecom qui m'a clairement dit « Casse-toi, va voir chez Orange ». Et il avait pas tort en plus. Aujourd'hui, je suis toujours chez Bouygues Telecom. Ça marche très bien en ville, mais à la campagne, ça ne marche pas. Je suis désolé de vous dire ça. Alors, ça se peut que vous habitiez à la campagne et que vous ayez Bouygues Telecom. Dans ce cas-là, vous avez beaucoup de chance. Mais je vous assure que je suis chez moi, même dehors, je n'ai pas de réseau. J'ai que de la Edge toute pourrie. À la limite, pour téléphoner, ça marche pas, quoi. Et je me suis fait baiser plusieurs fois. Je crois que c'est... Bon, je vais vous passer l'histoire, mais quelqu'un m'avait appelé. J'ai pas reçu son appel, parce que j'avais pas de réseau. Le peu de réseau que j'ai eu un SMS de la boîte vocale. J'ai appelé la boîte vocale quand j'avais du réseau. Et j'entendais ça gueuler, le mec, « Ah, j'essaie de vous joindre, j'arrive pas, qu'est-ce que vous foutez ?»« Ouais, mais j'ai pas de réseau. » C'est emmerdant, très clairement. Mais en ville, ça marche très bien. Hein. Tous les jours, je vais... Pardon, je suis désolé, j'ai tapé dans le micro. Je vais en ville, je vais en cours, dans une grande ville, et il y a de la 4G à blinde. Ça marche super bien. Hein. Je veux dire, je me sers que de la 4G, c'est un truc de fou. La 4G galope sévère. Il y a de la 4G+, en plus, chez Bouygues Telecom, c'est un jeu de mots ridicule. Mon téléphone n'est pas compatible avec la 4G+, en plus... Ça fait beaucoup de plus dans une phrase. Je pense que c'est un import, mon téléphone. Je crois que les fréquences ne sont pas les fréquences françaises pour les réseaux. Et du coup, ça crée un petit décalage qui fait que j'ai jamais du réseau à fond, à 5 barres, à 5 sur 5. J'ai toujours une barre en moins, ou deux barres en moins, vous voyez. Je crois qu'il y a un petit décalage sur les fréquences, j'ai vérifié, je crois que on est quelques mégahertz décalés. Bon, cela dit, c'est pas très grave. Je me demande si c'est pas à cause de ça que j'ai pas de réseau chez moi. Parce qu'avant, j'étais chez Soch, et chez Soch, j'avais de la 4G 5 sur 5, à fond la caisse, dans ma chambre. Alors que j'habite à la campagne, en pleine campagne. Si je te montre dehors, il y a rien. Il y a des champs à côté, il y a des champs à droite, à gauche, enfin, il y a rien du tout, hein. C'est un petit patelin, c'est paumé. Par rapport à Soch, on a un peu moins de réseau, on a un peu moins de couverture, mais les débits sont bons. Les débits sont clairement bons, ça galope très très vite. Donc en termes de débit, je suis content, mais en termes de couverture, je suis pas content. En termes de couverture, là, franchement, Bouygues Telecom, c'est la misère. Hein. Alors sinon, comme offre, j'ai une exclusivité web, donc c'est un forfait BNU 30Go appel SMS MMS illimité à 9,90€ par mois pendant un an. Sans limite de durée, je sais plus, ils avaient fait une offre, ça se vaut, alors bon, malgré le fait que j'ai pas de réseau chez moi, j'essaie de relativiser un petit peu et je me dis qu'au final, c'est pas si mal d'avoir ces débits-là, j'ai des débits parfois qui sont plus élevés que chez Soch. Donc, pour le prix, ça se vaut, mais franchement, moi je vous conseillerais quand même d'être sur le réseau Orange parce qu'ils couvrent beaucoup plus, ils ont une stratégie qui n'est pas du tout la même. Bouygues Telecom, ils voulaient développer sur une certaine fréquence dans les villes et tout. Très bien, il n'y a pas de problème, ça marche très bien, mais quand tu habites à la campagne, les trois quarts du temps, tu es chez toi. C'est chiant quoi, c'est emmerdant. Mon bilan après un mois, là, après cette petite aparté, bien mais peut mieux faire en termes de couverture. Voilà, mon bilan c'est ça. Au bout d'un mois, c'est bien pour le prix, pour le débit, mais peut mieux faire sur la couverture à la campagne. Bouygues Telecom se vend de limite couvrir l'océan. Mais qu'est-ce qu'on en a à foutre de couvrir l'océan? Les gens n'habitent pas sur l'eau. C'est vrai, et vous savez la pub, là, Bouygues Telecom, avec le radeau, là, ils regardent des vidéos, machin, et puis après, on a pensé à appeler les secours.
mais ils ont plus de batterie. Super la pub, hein, mais personne téléphone en plein milieu de l'océan. Ouais, je veux dire, même en étant chez Soch, je me rappelle, j'avais fait un voyage en Angleterre, j'ai pris le ferry au milieu de l'océan, spin pot de balle, hein, y a pas de réseau. Hein. Donc la 4G 40, hein, et quand t'arrives en Angleterre, c'est itinérance de données dans tous les sens, attention hors forfait. Voilà, vous savez tout, je crois que je vais pas faire plus long, hein, donc vous connaissez mon avis maintenant. Si vous êtes chez Bouygues Télécom et que vous avez moins de soucis que moi, pardon, ce serait intéressant que vous fassiez remonter ce que vous avez comme forfait, donc ce que vous avez comme data, ce que vous avez comme appel, SMS, et ben me dire un peu, m'expliquer un peu comment ça se passe chez vous, si vous avez des bons débits, si ça marche bien, si vous avez une bonne couverture, si ça marche pas chez vous. Allez, je vous souhaite de passer un bon week-end, j'espère que ça s'entend pas trop, mais je sors d'une maladie infâme, c'est pour ça qu'il n'y a pas eu de vidéo la semaine dernière, j'étais mort. Très clairement, j'étais mort. Voilà, donc je m'excuse, il n'y a pas eu de vidéo la semaine dernière. J'étais mort parce que j'étais malade. Je vous souhaite de passer une très bonne journée. Ciao, ciao!